الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، نلتقي وإياكم في هذه الليلة المباركة، وليلتنا هذه هي الليلة الثامنة من شهر ذي القعدة لعام 41 و400 للهجرة، الموافقة للثامنة والعشرين من شهر يون لعام 2020. وأعتذر عن تغيبي في الأسبوع الماضي، فإنه كان غير مقصود، لكن يقول الله عز وجل: وخلق الإنسان ضعيفا، فيكتب عليه المرض، يتذكر ضعفه ويلجأ إلى ربه عز وجل طالبا إياه الشفاء. على كل حال، بدأنا قبل أسبوعين درسا جديدا في هذا المسجد، وهو في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، ونسأل الله عز وجل أن يوفقنا حتى نصل إلى تمام هذه السيرة العطرة وهذه الأيام الناضرة، ونستفيد من هذه الوقائع الجليلة وهذه الأحداث العظيمة، وحتى لا تكون إلا حديثا يذكر، بل يجب أن يصبح حقيقة، حقيقة نعيشها في كل أيام حياتنا. Mes très chers frères, nous nous réunissons dans cette huitième nuit du mois de Dhul-Qa'da 1441, c'est-à-dire le 28 juin 2020. J'étais absent dimanche dernier pour des problèmes, on ne va pas dire de santé, parce que vous allez croire après je suis malade, mais des petits soucis. Et Allah Ta'ala a dit dans le Coran, l'être humain a été créé faible. Et il nous fait tomber malade pour nous rappeler notre faiblesse, pour qu'on revienne vers Allah Azza wa Jal, et qu'on lui demande de nous guérir. وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينَ. Donc, j'étais absent la semaine dernière, et la semaine d'avant, on a commencé un nouveau cours dans cette mosquée, dans la vie du prophète alayhi salatu wassalam. Donc on va essayer, Inch'Allah Ta'ala, si Allah nous accorde sa grâce et la réussite, d'évoquer les points de la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, les plus importants et les plus grandioses, et tous les points de la vie du prophète sont importants et grandioses, alayhi salatu wassalam. Mais le but, ce n'est pas d'en faire seulement un récit qu'on raconte, de la même façon qu'on raconterait l'histoire de n'importe qui. C'est Allah dans le Coran, il nous dit, en parlant des histoires des prophètes et des messagers qui ont été envoyés à l'humanité, « لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِأُولِي الْأَلْبَابِ » Il y a certes dans leurs histoires des morales pour les doués d'intelligence. Donc forcément, l'histoire dans laquelle il y aura le plus de morale, « عَلَى الْإِطْلَاقِ » de façon absolue, c'est bien celle du prophète, alayhi salatu wassalam. Donc le but, c'est d'apprendre à connaître le prophète, alayhi salatu wassalam, de tirer des leçons de sa vie. هذا ما يسمى في اصطلاح العلماء بفقه السيرة. C'est ce qu'on appelle dans le langage des savants la science de la vie du prophète alayhi salat. C'est qu'il y a une science dedans. C'est pas seulement des récits, on va en tirer beaucoup de leçons. Et donc qu'on en tire des leçons et que ça devienne une réalité que l'on applique dans notre vie de tous les jours. قبل الشروع في البدء فقط أذكر إخواني بأهمية التزامهم بوضع الأكمام على وجوههم، وكما ذكرنا لكم هذا الأمس، هذا في مصلحة الجميع، حتى لا يجد أو حتى لا يجد أحد سببا لإغلاق هذا المسجد، لأن الناس لا ينفذون فيه الإرشادات الصحية المذكورة. Une dernière chose avant de commencer, juste vous rappeler l'importance de mettre les masques. Je sais que c'est désagréable, que c'est gênant, que ça gratte, ça gêne, il a khiri. Moi, j'arrive pas à le mettre. J'ai de la chance, je vous parle. Sinon, je serais sorti. Mais à la kulli hal, c'est pour l'intérêt général. Je vous en ai parlé hier soir. On ne peut pas se permettre de négliger ces restrictions. Parce qu'il en va de l'intérêt général, et ça peut surtout être une cause de fermeture de la mosquée. Donc essayez au maximum, barakallahu fikoum, de les garder,
sur vos visages. طيب تفضل. عند الدرس الأول ذكرنا شيئا من حياة العرب قبل الإسلام وكيف كانت الجزيرة محيطة بدول عظيمة وكيف كانت العرب تعيش بينها على مستوى المجتمع أو على مستوى الدين وحتى على مستوى الاقتصاد. On a parlé de plusieurs choses lors du premier cours, parce que le but c'est de remonter le plus loin possible et de connaître les circonstances de la péninsule arabique avant que le prophète ne naisse, alayhi salatu wassalam. Donc on avait dit que la péninsule arabique était entourée de grands empires, l'empire byzantin, romain, appelez-le comme vous voulez, l'empire perse et l'empire abyssin, de l'Abyssinie. Et que la péninsule arabique se trouvait au milieu. Et que malgré qu'elle soit entourée, encerclée par ces grandes puissances, elle n'intéressait pas ces grandes puissances. لَأَنَّهُ مِنَ الْمَعْرُوفِ أَنَّ الدَّوْلَةَ كُلَّمَا عَظُمَتْ حَاوَلَتْ جَاهِدَةً أَنْ تَسْتَوْلِيَ عَلَى الدُّوَيْلَاتِ الْمُحِيطَةِ بِهَا لِتَضُمَّهَا إِلَيْهَا حَتَى تُصْبِحَ بِذَلِكَ كُبْرَ. Ce qui est connu, c'est que les grands empires, les grandes puissances ne cessent d'essayer d'envahir les petits pays voisins pour les joindre, les annexer comme on dit, les annexer à leurs frontières pour être la plus grande possible, pour être la puissance la plus grande possible. Bon, pourquoi ils ne se sont pas intéressés à l'Arabie? On avait expliqué que l'Arabie était un Sahara, Baïda, la yalbutu fiha, Shajarun, wala yustafadu min ardiha. C'était un désert. Un désert, donc plein de sable, dans lequel ne poussait pas d'herbe. On ne pouvait pas travailler la terre. Et on ne pouvait pas tirer profit de cet endroit-là. Après, on a parlé aussi de la religion des Arabes. وقلنا أن العرب كانت على دين إبراهيم عليه السلام حتى أغواهم عمرو بن لحي الخزاعي. On avait dit que les Arabes pendant longtemps suivaient la religion de Ibrahim عليه السلام jusqu'à ce que Amr ibn Luhay ne vienne les pervertir avec les statues qu'il avait trouvées dans la région du Sham, la Jordanie actuelle. Et à partir de là, donc, l'adoration des statues s'est répandue dans la péninsule arabique. Et à partir de là, ils n'ont cessé de transformer la religion d'Ibrahim alayhi salam jusqu'à ce qu'elle ne lui ressemble plus du tout. كذلك اختلفت عقائد العرب فهذا يعتقد أن الشمس هي التي ينبغي أن تعبد وهذا يعتقد أن الملائكة بنات الله وهذا يعتقد أن الجن أولاد الله فاعتقادات شتى متفرقة. Et aussi, ça c'est un point important parce qu'Allah Ta'ala il fait référence dans le Coran. C'est les différentes croyances. On a tendance à croire, nous, que les Arabes ne faisaient qu'adorer des statues. Mais ce n'était pas le cas. Ils avaient plusieurs croyances différentes. Donc il y a ceux qui adoraient les statues, ils en faisaient des intermédiaires desquels ils espéraient l'intercession. Il y en a qui adoraient le soleil ou la lune. وَمِنْ آيَاتِهِ الْلَيْلُ وَالنَّهَارُ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ لَا تَسْجُدُوا لِلشَّمْسِ وَلَا لِلْقَمَرُ. Et parmi ces signes, le jour et la nuit, le soleil et la lune. Ne vous prosternez ni envers le soleil ni envers la lune. Et il est important justement de voir dans le Coran pour beaucoup de versets qui font référence à certaines de ces aqaïds, certaines de ces croyances. Donc nous, si on ne sait pas en quoi les Arabes croyaient avant l'islam, ces versets, on ne va pas les comprendre. فَاسْتَفْتِهِمْ أَلِي رَبِّكَ الْبَنَاتُ وَلَهُمُ الْبَنُونَ. Interroge-les. Est-ce que ton Seigneur aurait des filles et eux, ils auraient des garçons? Donc ils croyaient qu'Allah avait des filles. تَعَالَ اللَّهُ عَمَّا يَقُولُونَ.
Et quelles étaient ses filles? Les anges. وَجَعَلُوا الْمَلَائِكَةَ الَّذِينَ هُمْ عِبَادُ الرَّحْمَنِ إِنَاثًا. Et ils firent des anges qui sont des serviteurs du tout miséricordieux, des filles. أَشَهِدُوا خَلْقَهُمْ سَتُكْتَبُوا شَهَادَتُهُمْ وَيُسْأَلُوا. Il y en a même qui croyaient que les djinns étaient les enfants, les fils d'Allah Azza wa Jal. À la Kulli Hal, ils avaient beaucoup de croyances diverses et variées. Et certaines d'entre elles, Allah y fait référence dans le Coran. Dans certains versets du Coran. وَمَا كَانُوا كَذَلِكَ يَئِدُونَ الْبَنَاتِ وَتَحَدَّثْنَا عَنْ هَذَا وَكَانَ الْقَوِيُّ يَأْكُلُ الضَّعِيفِ وكانوا يتعاملون بالربا وكانوا يظلمون الناس ويأخذون بالثأر إلى غير ذلك مما ذكرناه من مساوئ أخلاقهم. On avait dit qu'ils enterraient les filles et les garçons aussi. Vous vous souvenez? On a dit que les filles c'était pour une raison et les garçons pour une autre, notamment la pauvreté. On avait dit qu'ils se vengeaient à outrance lorsque quelqu'un d'entre eux était tué. Pour se venger, ils tuaient 10 fois, 100 fois, voire même plus encore, le nombre de personnes qui ont été tuées chez eux. On avait vu aussi qu'ils étaient connus pour leur injustice. Et le fort opprimait le faible. Et aussi, ils pratiquaient l'usure dans leurs transactions commerciales. Au cas d'un caca, nous m'avons fait la vie. Mahasid al-akhlaq. Et en même temps, ils étaient connus dans les bons caractères, les bons comportements. Et on a cité quelques exemples de ces bons comportements que les Arabes avaient. Et pour lesquels Allah Ta'ala les a choisis. وهذه نقطة مهمة يجب أن ننتبه لها. وهي أن العرب كانت معروفة بمساوئ الأخلاق ومحاسنها فاختارهم الله عز وجل لصحبة نبيه عليه الصلاة والسلام فغلب جانب محاسن الأخلاق على جانب مساوئ الأخلاق. لماذا؟ لأن العرب رغم قيامهم على هذه الأخلاق السيئة أخلاقهم الحسنة لم تكن موجودة عند غيرهم فلذلك اختارهم الله تبارك وتعالى وهذا يدلك على أهمية محاسن الأخلاق وقد أكد الله تبارك وتعالى هذه الأهمية حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق ووعد الله عز وجل صاحب الأخلاق الفاضلة بجزيل الثواب وعظيم الأجر في الدنيا والآخرة فإن صاحب الأخلاق الحسنة أجره كأجر القائم الذي لا يرقد والصائم الذي لا يفطر فالأخلاق الأخلاق يا أمة الأخلاق هي القطران والأعداء جربا وفي القطران للجرباء وفي القطران للجرباء شفاء. على كل حال donc je vous disais aussi pourquoi. Ça, c'est un point important sur lequel il faut réfléchir. C'est que les Arabes étaient connus pour avoir des comportements exécrables. Tout comme ils étaient connus pour avoir des caractéristiques louables et honorables. Alors pourquoi est-ce qu'Allah Ta'ala les a choisis pour accueillir son dernier des messagers et le meilleur de ses prophètes? Et pour que ceux qui l'accompagnent soient essentiellement et majoritairement ces Arabes-là, c'est parce que malgré la présence de ces mauvaises caractéristiques chez eux, ils avaient en eux des qualités qu'on ne trouvait nulle part ailleurs. Al-wafa bil ahd wa wal-ird wa ma shbaha dhalik. Tenir leurs engagements, karahiyatul kadhib, détester le mensonge et toutes les autres choses qu'on a pu citer la dernière fois. Et c'est pour ces bons comportements qu'Allah Ta'ala les a choisis parce qu'on ne les trouvait pas chez d'autres. Et ça, ça nous montre l'importance du bon comportement. Ce bon comportement qu'Allah Tabaraka wa Ta'ala, pour lequel Allah Ta'ala a promis à ses serviteurs qui ont un bon comportement d'énormes récompenses.
Au point où il a dit sallallahu alayhi wa sallam que celui qui a un bon comportement a la récompense de celui qui prie la nuit sans dormir et qui jeûne le jour sans manger, sans rompre son jeûne, sans interruption continuellement. Ce qui indique l'importance du bon comportement. طيب. قلنا أن عمرو بن لحي الخزاعي كان سيدا لمكة عندما أتاهم بالأصنام. ثم بعد فترة جاء بعده قريش. واختلف المؤرخون في اسمه أهو فهر ابن غالب أم هو مالك ابن النضر على أحد هذين الرجلين. والجدير بالذكر أن أغلب هذه الأسماء في الحقيقة هي لقب وليست أسماء. فقريش هذا إما أن يكون فهر ابن مالك، أنا قلت غالب، فهر ابن مالك، أو إما أن يكون مالك ابن النضر وسمي قريشا. وهذا الرجل كان من أجداد النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت ذرية إسماعيل عليه السلام قد تفرقت في أنحاء الجزيرة ولم يبعدوا عن مكة، وهو الذي جمعهم حتى اتخذوا مكة مأوى ومستقرا. ولذلك يقول الله تبارك وتعالى لإيلاف قريش، وقلنا بأن الإيلاف بمعنى في معانيه الاجتماع، لأنهم كانوا متفرقين، فجمعهم وجعلهم يقطرون بمكة، وانتقلت سيادة خزاعة إلى قريش، وأصبح قريش هو سيد أهل الوادي، سيد مكة. Donc on avait dit que Amr ibn Luhay était celui qui avait apporté l'idolâtrie à la Mecque. Puis après, en même temps, c'était lui le chef. Donc Khuza'a, cette grande tribu arabe, était à la tête de la Mecque. Quraysh, que nous connaissons, qui est donc le nom des tribus principales de la Mecque, n'était pas à la Mecque. Il vivait dispersé dans la péninsule arabique, sans vivre pour autant loin de la Mecque. Et Quraysh est venu et il a regroupé ses frères, regroupé les membres de sa tribu, et ils se sont installés à la Mecque. En sachant que Quraysh n'est pas le vrai nom de l'ancêtre du prophète, alayhi salatu wassalam, et que les Arabes, كانوا يحبون التنابز بالألقاب. بل كان كثير منهم غلب لقبه على اسمه حتى نسي اسمه. Les Arabes avaient une habitude, et cette habitude ils l'ont toujours d'ailleurs, ils n'ont pas perdu, comme quoi on est capable de garder des choses longtemps, c'est les surnoms. C'est que beaucoup des ancêtres du prophète alayhi salatu wassalam, les noms avec lesquels on les connaît ne sont pas leurs noms en fait, ce sont des surnoms. Ce sont des surnoms. Quraysh, donc les historiens divergent. Est-ce qu'il s'agit de Fihr ibn Malik ou bien de Malik ibn Nadr? Un des deux. Un des deux dans les ancêtres du prophète alayhi salatu wassalam. En sachant que dans la généalogie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y a deux étapes. Il y a une étape sur laquelle les historiens sont d'accord, du prophète jusqu'à Adnan. Puis après de Adnan jusqu'à Ismaïl, là ils disent que c'est faible. Ils disent que c'est faible. Et Quraysh donc est un des ancêtres du prophète alayhi salatu wassalam. Et c'est lui qui a réuni sa tribu à la Mecque. Comme Allah a dit dans le Coran, « L'ilafi Quraysh ». Et l'ilaf, on l'avait donné plusieurs sens lorsqu'on en a parlé dans le tafsir. Et parmi les sens de l'ilaf, l'ijtima', le regroupement. Et كذلك, lahu aslun ma'a at-ta'lif. Ça a aussi un tronc commun avec at-ta'lif, qui veut dire réconcilier, après que les gens se soient tournés le dos.
Donc il les a réconciliés et il les a regroupés et ils se sont installés à la Mecque. Donc Quraysh, pourquoi l'appeler Quraysh? On avait vu ensemble une fois, lama ta'arradna li tafsir surati Quraysh, ذكرنا سبب تسميته بهذا الاسم الغريب قريش. On avait expliqué ce moment-là dans le tafsir surat al-Quraysh que pourquoi est-ce que on l'avait appelé comme ça Quraysh. Quraysh c'est le tasghir de Kirsch. Et le Kirsch c'est quoi? Tu sais quoi Adam le Kirsch? C'est? J'ai pas entendu. Non pas le Kirsch. C'est ça qui fait que le Kirsch c'est ça. Le Kirsch bil qaf. Hein? رحم الله أخي موسى أوذي بأكثر من ذلك فصبر تفضل أخي أحسنت لو روكان بارك الله فيك سيدور ها وجعلنا بعضكم لبعض فتنة تصبرون ناس ما يصبروش مع الإمام ديالهم لكن لازم الإمام ديالهم خصهم يصبروا معاهم ها طيب لو روكان لو روكان Vous en tangez avec du citron, ça passe très bien. قالوا أن هذا الرجل خاض البحر يعني مالك بن الناظر أو فهر بن مالك خاض البحر مع بعض أصحابه وبينما هم على سفينتهم إذا بحوت بسمكة عظيمة تقفز من الماء وتقع على سطح سفينتهم وكانت ضخمة مرعبة ذات أسنان حادة ففزع الناس منها ولم يجرؤ على قتلها إلا مالك ابن النضر وذبحها وأخذ رأس هذه السمكة العظيمة معه إلى مكة ومن ثم لقب بقريش que Malik ibn al-Nadr ou Fihr ibn Malik, je ne sais pas exactement c'est lequel des deux, étaient partis en voyage en mer. Et alors qu'ils étaient sur leur bateau, il y a un énorme requin qui a surgi de l'eau et qui est tombé sur leur bateau, à l'intérieur de leur bateau. Un énorme requin avec plein de dents, comme vous les connaissez, et ils en ont eu peur. Et là, le seul qui a osé s'attaquer à ce monstre, c'est Malik ibn al-Nadr. Donc il l'a tué et il lui a coupé la tête en guise de trophée. C'est pas tous les jours qu'on peut ramener un requin à la maison. T'as vu les gens aujourd'hui, ils ont des dents de requin, ils les mettent la main autour de leur cou. Alors que c'est marqué Made in China dessus, t'as vu, c'est pas... Ouais. Et donc, il est revenu à la Mecque avec la fameuse tête de requin, et de là, on l'a appelé Quraysh, de Kirsch, qui veut dire le requin, shark, in English. Et il n'y a pas la prof d'anglais aujourd'hui, hein. Déjà ça. Et donc, il a été appelé Quraysh. Donc, si on revient dans la généalogie du prophète sallallahu alayhi wa sallam jusqu'à Quraysh, si je ne me trompe pas, Mohammed ibn Abdullah ibn Abd al-Muttalib ibn Hashim ibn Abd Manaf ibn Kilab ibn Murra ibn Ka'b ibn Lu'ay ibn Ghalib ibn Fihr ibn Malik ibn Nadr. Donc là c'est Quraysh selon un des deux avis. Donc à partir de là Asbaha Quraysh Sayyida Mecca. Quraysh c'est lui qui est devenu le chef de la Mecque. Et à partir de là بقيت السادة أو السيادة فيهم. Et à partir de là, la noblesse, c'est-à-dire la supériorité, est restée chez Quraysh. وجاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله اصطفى من ولد إبراهيم إسماعيل واصطفى من ولد إسماعيل عدنان واصطفى من بني عدنان قريش واصطفى من قريش هاشما واصطفاني من هاشم. لا جو با دي هاشم توتالا. جو با دي نو بلتو جون. سي؟ نو؟ سي. دونك وبخاطر صلى الله عليه وسلم
Allah Ta'ala, il a choisi, il a élu dans les enfants d'Ibrahim, donc Ishaq et Ismaïl, Ismaïl. Et là, c'est une lafta, هذه اللفتة والله عظيمة. هذه لطيفة ثمينة. تشترى بذهب الدنيا. Et ça, c'est une allusion, une subtilité d'une valeur énorme. Tout l'or de ce bas monde ne suffirait pas pour l'acheter. Quand tu regardes dans le Coran, tu remarques, هذا لابد أن تمعن النظر وأنت تقرأ القرآن. Tu dois faire attention quand tu lis le Coran. Regarde bien. Et وإن لم تنتبه لهذا فأرجوك من الآن أن تحاول أن تركز على ما ستسمعه مني الآن. Et si tu n'as pas fait attention auparavant, j'espère que comment on en maintenant, tu le feras par la suite. Quand tu lis le Coran, tu regardes comment Allah Ta'ala il parle des enfants d'Ibrahim. Quand il parle de Ishaq et de Yaqub, et quand il parle d'Ismaïl, tu remarqueras que c'est très rare qu'Allah Ta'ala il parle des deux ou des trois ensemble. Toujours Ismaïl, il est à part. Toujours il est tout seul. Mathalan, dans Surat Sal, Allah Ta'ala il dit وَذْكُرْ عِبَادَنَا إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ أُولِي الْأَيْدِي وَالْأَبْصَارِ إِنَّا أَخْلَصْنَاهُمْ بِخَالِصَةٍ ذِكْرَ الدَّارِ وَإِنَّهُمْ عِنْدَنَا لَمِنَ الْمُصْطَفَيْنَ الْأَخْيَارِ وَذْكُرْ إِسْمَاعِيلَ وَالْيَسَعَ وَذَا الْكِفْلِ وَكُلٌّ مِنَ الْأَخْيَارِ. Donc Allah parle de Ibrahim et de Ishaq et de Yaqub et yuthni alayhim khayra, il en dit beaucoup de bien. Puis après il dit وَذْكُرْ إِسْمَاعِيلَ وَالْيَسَعَ وَذَا الْكِفْلِ. Il parle de Ismaïl et Kadakr. On va dans Surat Al-Anbiya. Allah parle d'Ibrahim alayhi salam. Puis après l'histoire d'Ibrahim, il dit subhanahu wa ta'ala wa wahabna lahu ishaqa wa ya'quba nafila wa kullan ja'alna salihin wa ja'alnahum a'immatan yahduna bi amrina wa awhayna ilayhim fi'la al-khayrat wa iqama as-salat wa ita'a az-zakah wa kanu lana 'abidin. Parle de Ibrahim, Ishaq, Yaqub. Après, il parle de l'autre. Il parle de Nuh. Il parle de Daoud, Sulaiman, Ayoub. Et après, Ayoub, il dit quoi, subhanahu wa ta'ala? Il dit, وَذْكُرْ وَإِسْمَعِيلَ وَإِدْرِيسَ وَدَلْكِفْلِ كُلُّمْ مِنَ الصَّابِرِينَ وَدْخَلْنَاهُمْ فِي رَحْمَتِنَا إِنَّهُمْ مِنَ الصَّالِحِينَ. L'autre, après, il parle d'Ismaïl. Dans Maryam, dans surat Maryam, Allah parle d'Ibrahim. وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا. Donc il raconte une histoire d'Ibrahim alayhi salam. Puis il dit وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ. On lui a offert وَوَهَبْنَا لَهُمْ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ. On lui a offert Ishaq et Yaqub. Puis il parle de Moussa alayhi salam. Il parle de Haroun. Puis il parle d'Ismaïl. وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِسْمَاعِيلَ إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ وَكَانَ عِنْدَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا. Et c'est comme ça, très souvent dans le Coran. T'as là, Ismaïl, subhanallah, il est à part. Et toi, quand tu lis le Coran, tu ne comprends pas en fait. Pourquoi Ismaïl, il est à part. Là, tu pourrais même te dire que, ah ben, apparemment, Ishaq, il est muqaddam ala Ismaïl. Il est favorisé sur Ismaïl. Alors que Ishaq, waladuhu thani, kana Ismaïl, akbara min Ishaq, bi akthara min 10 sinin. Alors que le Ishaq était plus jeune que Ismaïl. Ismaïl était le premier fils de Ibrahim alayhi salam. Et il y avait entre eux plus de 10 ans. 14 ou 15 ans approximativement, je ne sais plus combien exactement. Et généralement, أقول هذا في الغالب الولد الأول أحب إلى أبيه من الباقين وهذا على سبيل الأغلبية لا على سبيل الإطلاق. Généralement le premier enfant il est, on va pas dire préféré, mais il est plus aimé auprès de son père que les autres. طبعا il les aime tous. Et tu lis le Coran et tu as l'impression que Ismaïl il est à part. Tu as l'impression que c'est Ishaq. Quel fadl alayh. Dans Safat, Allah Ta'ala,
Il parle de l'histoire d'Ibrahim. Puis il dit, وَبَشَّرْنَاهُ بِغُلَامٍ حَلِيمٍ. Sans dire de qui il s'agit. Est-ce que c'est Ismaïl? Est-ce que c'est Ishaq? Puis il y a l'histoire de Al-Dhabh. وَبَشَّرْنَاهُ بِغُلَامٍ حَلِيمٍ فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ قَالَ يَا بُنَيَّ إِنِّي أَرَى فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ فَانْظُرْ مَاذَا تَرَى قَالَ يَا أَبَتِ افْعَلْ مَا تُؤْمَرُ سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّابِرِينَ. Donc la fameuse histoire de Ibrahim a.s. qui a vu en rêve qu'il sacrifiait son fils. Et l'histoire vous la connaissez. Mais pas un moment ici, Allah il dit Ismaïl. Puis un peu plus tard, après la fin de l'histoire, qu'est-ce qu'Allah il dit ? وَبَشَّرْنَاهُ بِإِسْحَاقَ نَبِيًّا مِنَ الصَّالِحِينَ وَبَارَكْنَا عَلَيْهِ وَعَلَى إِسْحَاقَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِهِمَا مُحْسِنٌ وَظَالِمٌ لِنَفْسِهِ مُبِينٌ. Et donc là d'ailleurs on arrive à la fameuse question. Est-ce que Al-Dhabih, c'est Ismaïl? Ibn As-Sakir, rahimahullah ta'ala, il rapporte un hadith comme quoi le Nabi sallallahu alayhi wa sallam l'aurait dit Ana ibn Al-Dhabihayn. Ana ibn Al-Dhabihayn. Je suis le fils des deux sacrifiés. Il fait référence à son père Abdullah, on va en reparler juste après, Inch'Allah. Et à son ancêtre Ismaïl. وَهَذَا مِنْ أَدِلَّةِ الْقَائِلِينَ بِأَنَّ الذَّبِيحَ هُوَ إِسْمَعِيلِ. Ça fait partie des preuves de ceux qui disent que le sacrifié, c'était Ismaïl et pas Ishaq. لَكِنَ الْحَدِيثَ هَذَا مَوْضُوعٌ لَا يُحْتَجُّ بِهِ. Mais ce hadith-là, il est mawdou'. Si je ne me trompe pas, أوردَهُ ابن عساكر في كتابه تاريخ دمشق. وَسَنَدٍ فِيهِ وَضَّعُونَ وَكَذَّبُونَ وَمُتَّهَمُونَ. هذا الحديث لا يحتج به حديث موضوع وأغلب السلف كانوا على المذهب بأن الذبيحة هو إسحاق وليس إسماعيل ثم جاء ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه زاد المعاد في هدي خير العباد كتاب قيم ينبغي أن يقرأ لا سيما في المساجد ولعلنا نقرأه إن شاء الله إن أطال الله في العمر في العمر على طاعته. على كل حال ذكر في هذا الكتاب أكثر من 20 وجها يدل على بطلان القول بأن الذبيحة هو إسحاق ثم تابعه العلماء بعد ذلك فلذلك لا تكاد تجد أحدا في زمننا هذا يقول بأن الذبيحة هو إسحاق. كأنهم اتفقوا على ترجيح قول ابن القيم مع أن المذهب السائد في الأجيال الأولى كان على خلاف ذلك وأرشدكم إلى تفسير ابن جرير الطبري في لسورة الصافات وهو يرجح ابن جرير الطبري يرجح أن الذبيح هو إسحاق ويذكر أقوال السلف وهم كثر على هذا. Donc, d'ailleurs, on va parler de ce fameux hadith, Ana ibn al-Dhabihayn. Je suis le fils des deux sacrifiés. Pourquoi il aurait dit ça, alayhi wa sallam? Mais ce hadith-là, il est inventé. On a dépassé le stade de faible, il est inventé. Donc, il ne peut pas servir d'argument. Et dans Surat Safat, quand Allah Ta'ala il parle de cet événement-là, il ne cite pas le nom d'Ismaïl une seule fois dans Sourate Saffat. Pas une seule fois. Donc, on ne peut pas venir, ils ont dit quoi? Oui, mais quand Allah il parle de Ishaq, il dit Ghulamin Alim. Et quand il parle de Ismaïl, il dit Ghulamin Halim. Min ayna lakum hada? Ma dalil ala hada al-takhir? Ou hada al-tamyiz? Mais d'où ça vient ça? Ça repose sur quel. C'est une déduction, à la limite. C'est une remarque, mais ce n'est pas une preuve. Rien ne dit dans le Coran que quand c'est le Halim, c'est Ismaïl, et quand c'est Alim, c'est Ishaq. Rien. Donc, c'est pour ça qu'on remarque que chez les pieux prédécesseurs, l'avis majoritaire était que le sacrifié était Ishaq et pas Ismaïl. Et je vous renvoie au livre d'Ibn Jarir al-Tabari, rahimahullah ta'ala, le tafsir d'Ibn Jarir, dans Surat Safat, justement, où il évoque une multitude d'avis chez les salafs
chez les Sahaba et les Tabi'in, qui disent que c'est Ishaq, c'est pas Ismaïl. Et lui-même, Ibn Jarir, rahimahullah ta'ala, il choisit cet avis-là. Pourtant, aujourd'hui, tu n'entends personne dire ça. Tu ne vas jamais entendre quelqu'un dire que Al-Dhabih, c'est Ishaq. Non. Limite, il y a un ijma'. Tu as l'impression qu'il y a un consensus sur cet avis-là. Et ça vient, on va dire, d'une période historique entre les premières générations et notre époque. Ibn Qayyim, rahimahullah ta'ala, dans un de ses ouvrages merveilleux, qui se nomme Zadul Ma'ad, il a été traduit en français, il y a un Mukhtasar qui a été traduit en français, il y a un résumé. Dans ce livre-là, Ibn Qayyim, rahimahullah ta'ala, il vient et dit, c'est faux, c'est pas Ishaq. Et il ramène 20 arguments, une vingtaine d'arguments, si je ne me trompe pas, qui prouvent, selon lui, que les arguments sur lesquels reposent les premières générations sont faux. Et que Al-Dhabih, le sacrifié, ce n'est pas Ishaq, mais c'est Ismaïl. Puis après avoir annulé leur argumentation, il appuie la sienne. Il faut dire une chose. Quand Ibn Qayyim, rahimahullah, il traite un sujet, c'est dur de ne pas être d'accord avec lui. C'est très dur. Un des exemples, c'est dans le début de son livre Miftah Dar Sa'ada, où il parle de... Est-ce que... Non, c'est pas dans Miftah Dar Sa'ada, c'est dans Hadi Arwah. Est-ce que le paradis dans lequel Adam et Hawa étaient, c'est le vrai paradis ou c'est un autre? Ou bien dans Kitab Salah, est-ce que celui qui délaisse sa prière, c'est un mécréant ou non? Et lui, comment il fait? Il vient, il te donne les arguments du premier avis. Comment il traite les arguments? Tu dis, c'est bon, c'est eux, ils ont raison. Puis après, il réfute ces arguments-là. Tu dis, bon, c'est bon, ils ont tort. Puis après, il donne les arguments des autres avis. Tu dis, ah, c'est eux, ils ont raison. Puis après, il réfute leurs arguments. Tu dis, wesh, comment ça se passe à la fin, là? Je ne sais plus sur quel pied danser, je ne sais plus comment ça marche. Et à la fin, il fait la synthèse. Et quand il fait la synthèse, il dit « Ah ouais !» Et tu comprends pourquoi, après Ibn Qayyim, eh bien la majorité des savants sont sur l'avis que Al-Dhabih, c'est Ismaïl. C'est Ismaïl. Et ça fait partie de ces quelques masaïl, ces quelques questions dans la science, où on avait une majorité chez les salafs, qui est devenue une minorité chez les khalafs. Ah, je sais pas. Ali, c'était une majorité chez les premières générations, et c'est devenu une minorité chez les dernières générations. Et Ibn Rajab al-Hanbali, rahimahullah ta'ala, il disait, ilm al-salaf, plutôt al-salaf, a'lam, ou tariqat al-salaf, aslam, wa a'lam, wa ahkam. Ibn Rajab, rahimahullah ta'ala, il disait que la voie des pieux prédécesseurs par rapport aux dernières générations, elle est a'lam, il y a plus de science. Ahkam, elle est mieux façonnée. Et elle est aslam, elle est plus sûre. Elle est plus sûre. Même, il a écrit un livre, il s'appelle Fadlu ilmi salaf ala ilmi al-khalaf. Comme quoi la science des salaf, des premières générations, elle est meilleure que celle des dernières générations. Contrairement à ceux qui vont te dire qu'aujourd'hui, les savants, ils ont plus de science qu'avant parce qu'ils ont plus de sources. C'est pas vrai, ça. C'est faux. Ne n'oubliez pas qu'on a perdu énormément de livres à travers le temps. Et qu'il y a une quantité de science énorme qui a disparu avec les siècles. Et que ce qu'on a aujourd'hui, c'est passé de génération en génération. C'est comme si je prenais... J'ai pas un verre à côté de toi, là ? Ah bah, bon, vas-y. Voilà. C'est comme si je prenais de l'eau dans un récipient et que je transvase le contenu du récipient dans le verre. Puis après, je vais prendre 20 verres. Et à chaque fois, je vais transvaser l'eau, le contenu, dans les autres verres. Est-ce que l'eau, dans le dernier verre, sera en quantité égale
et en pureté similaire que l'eau au point de départ. Là, là. Parce qu'en faisant le trans, comment on dit transversion ? Transilé. Comment tu dis ? Transilé. Transilé. En changeant l'eau de son récipient, je ne me remets pas ta parole en doute. Hein. C'est juste que moi j'ai peur de mal la conjuguer, après je vais passer pour un gars qui mène la campagne. Je n'ai rien contre les gars qui mènent la campagne, hein. Je les apprécie beaucoup, ils ont beaucoup de... Machallah. Comment t'as dit ? Bon, oui, on ne va pas rentrer dans le bécherel. Donc, quand tu vas changer l'eau de son récipient, du point de départ à la fin, tu vas perdre. Même si c'est des quantités infimes, tu vas en perdre. Petit à petit. Et quand elle est qu'à l'eau, elle va se mélanger à l'air. Dans l'air, il y a les microbes et tout ce que tu veux. Donc l'eau, à la fin, ne sera pas aussi pure qu'elle ne l'est au début. Et tu n'en auras pas autant. C'est pour ça que la science, plus elle est proche de Mishkat ou de Nubuwa, de la base de la prophétie, plus elle est pure. Et à l'inverse, plus on s'éloigne d'elle, plus yukhalituha ma yashubuha. Plus elle sera mélangée parce qu'il viendra la ternir. C'est pour ça que, après c'est des questions, ces questions-là, ce n'est pas des questions entre guillemets, baina qawsayn, importantes. Ça ne change rien. Est-ce que Zabih c'est Ismaïl ou Ishaq? Fais aqid, etc. Que tu crois ça ou ça, ça ne changera rien du tout. Même si aujourd'hui, malheureusement, les gens avec leur ignorance, sont capables de dire oh, Allah, regarde Allah Musta'an, il dit que c'est Ishaq. Bah, c'est ce qu'il dit Ibn Jarir, Ibn Abbas, et Qatada, Muqatil, Sa'id ibn Jubayr et d'autres. Je ne sais pas, moi, quand vous dites suivre les salafs, à un moment ou à l'autre, soyez sincères. Youssef, ça va? Ça va pas, hein? Rien, je suis. Et donc, on revient à l'histoire de Ismaïl, le hadith. Inna Allah astafa min waladi Ibrahim Ismaïl. Baraka. Irhamakallah. Allah, il a choisi des enfants d'Ibrahim Ismaïl. Donc, tout ça pour te dire que l'élu dans les enfants d'Ismaïl, d'Ibrahim, c'est Ismaïl, c'est pas Ishaq. C'est pas Ishaq. Wa yakfihi sharafan an yakuna jaddan lin-nabi sallallahu alayhi wa sallam. Wallah, il lui suffit comme noblesse Ismaïl d'être l'ancêtre du prophète alayhi salatu wassalam. Yakfihi, ça lui suffit. Et donc, il faut faire attention justement quand tu lis le Coran à ça. Quand tu lis le Coran, il faut toujours te rappeler que, comme il disait Ba'd al-A'imma, Anna al-Qur'an, ahwaju ila sunnati, min al-sunnati ila al-Qur'an. Comme quoi le Coran, il a plus besoin de la sunna que la sunna n'a besoin du Coran. Quand tu lis le Coran tout seul, si tu mets de côté des éléments qui sont dans la sunna, yassou fahmouk. Tu vas mal comprendre. Tu vas mal comprendre. Et là, nous, on a aujourd'hui une nouvelle génération qui se sont appelés eux-mêmes les coranistes. Ils ne méritent pas un nom pareil. Parce que c'est un sharaf. Wallahi, la yastahiqoun had. Je préfère les appeler les mushafiyoun que les coraniyoun. Parce que les annahum, wallahi, la ya'rifouna kayfa yuqra'u al-Qur'an. Parce qu'ils ne savent pas comment on lit le Coran. Alors ils sont venus, ils ont commencé à vouloir faire croire que la sunna n'était pas sûre. Que ces hadiths-là, ces traditions, ces narrations, elles étaient apocryphes. Je sais comment, je connais des mots aussi un petit peu. Mais non pas de te les plaies, je risque de... Mais ça veut dire qu'ils ont été écrits après la mort du prophète, alayhi salatu wa hada ghayru sahih. Taïb, su'al muwajjahun ilaykum. Man كان معروفا من الصحابة رضي الله عنهم بكتابة أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. Une question que je vous pose à vous là. Qui parmi les compagnons était connu pour écrire, pour écrire les paroles du prophète صلى الله عليه وسلم? لا, c'est pas Anas ibn Malik. أحسنت. بارك الله فيك. T'allais dire ça? Tu vois? نجوت. عبد الله بن عمرو بن العاص radiyallahu anhuma, il écrivait les paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et il y en a qui nous ont dit, arrête d'écrire tout ce que le prophète dit. Liannahu ahyanan yaghdab, wa ahyanan yansa, wa ahyanan kada wa kada. Parce que des fois il se met en colère, des fois il oublie, des fois ci, des fois ça. Fatawakaf,
وامتنع ابن عمرو بن العاص عن كتابة كلام النبي صلى الله عليه وسلم. Il a arrêté d'écrire la parole du prophète صلى الله عليه وسلم. Puis il a demandé au prophète صلى الله عليه وسلم. إنهم يقولون كذا وكذا. Ils disent telle et telle chose. Qu'est-ce que je dois faire? Il lui a dit اكتب. فوالله لا يخرج منه إلا حق. Il lui a dit écrit. Par Allah, ne sort de ça que la vérité. Écrit. Ensuite, même si la majorité de la sunna n'a pas été écrite du vivant du prophète, et qu'elle n'a pas été écrite si c'était après quelques générations, c'est parce que c'était la tariqa des Arabes. Kana al-Arabu ummatan ummiya kama aslafna, on l'a dit déjà. Les Arabes étaient une communauté illettrée. Lakin lahum dhakiratun aqwa min al-hajar. Ils ont une mémoire plus forte, aslab min al-hajar, plus dure encore que la pierre. J'oublie pas. Ils pouvaient écouter un discours d'une demi-heure, sortir et te le ressortir d'une traite. Et ça, c'est resté sur plusieurs générations. Abdullah ibn Mubarak, rahimahullah ta'ala, était connu comme ça. Quand il était jeune, comme vous, il allait à la khutba du vendredi avec un ami à lui. Et après qu'il sorte, il disait à son ami, « Mada hafifta min khutbatihi ?»« Qu'est-ce que tu as retenu de sa khutba ?» Alors son ami, il disait, « J'ai retenu telle et telle phrase. » Il fait, « Khud minni. » Et il lui répétait du début à la fin. « Yaqululana Muhammad ibn Shihab al-Zuhri, rahimahullah ta'ala, il a dit de lui-même, « Ma hafiftu shay'an fanasitu. »« Ma hafiftu shay'an fanasitu. » Ibn Shihab al-Zuhri, rahimahullah ta'ala, un des grands savants du hadith et notamment un des professeurs de l'imam Malik, eh bien, est un des premiers à avoir Dawan al-Sunna, à avoir mis à l'écrit la Sunna. Il a dit, j'ai jamais appris une chose et je l'ai oublié. J'ai jamais oublié quelque chose. Jamais. T'imagines toi? Tu peux faire des choses comme ça? C'est des gens... Allah, il faut lire leur taraji, il faut lire leur biographie pour en être conscient de l'exploit que ces gens faisaient. C'était quelque chose d'exceptionnel. C'est des gens, ils avaient non seulement le contenu de la parole, mais aussi les détails de chaque rapporteur de qui prenait la parole. Et je donnais plein d'exemples comme ça. L'histoire où Shu'ba il s'est fait agresser par Abdullah ibn Maslama. Et Ibn Maslam al-Qa'nabi, alors qu'il était sous, il lui a dit Hadithni. Il lui a dit Anta lasta ahlan li an tuhaddath. Il était sous, il a vu Shu'ba passer comme ça, il lui a dit Donne-moi un hadith. Shu'ba dit Des gens comme toi, ne donne pas des hadiths. Alors Fakhraja Khanjaran, il a sorti un couteau, il a dit Wallah, il a tuhaddithanani ou la'at'ananaka bihada. Wallah, tu me donnes un hadith, je te prends avec ce couteau. Il lui a dit Octobre. حدثني منصور قال حدثني ربعي قال حدثني أبو مسعود قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. Il est parti. Boum, il est sorti ça comme ça normal. Ou bien Mohamed ibn Shihab al-Zuhri, il était chez Al-Walid ibn Abdel Malik ibn Marwan dans son palais. Il a demandé, il a dit à Mohamed ibn Shihab, il a dit قوله تعالى والذي تولى كبره منهم له عذاب أليم من هو. Dans le surat Nour, dans l'histoire de l'Ifk avec Aïcha radiallahu anha, celui qui a la tête de cette calomnie, qui est-ce? Alors Mohamed ibn Shihab al-Zuhri dit, c'était Abdullah ibn Ubay ibn Saloul. Et il y en a un autre qui a dit quoi? Kadabt, ben huwa Ali ibn Abi Talib. Il y en avait un qui était dans l'assise, il a dit, alors que Mohamed ibn Shihab al-Zuhri, il a dit que c'était Abdullah ibn Ubay ibn Saloul, il lui a dit, non, tu mens, c'est Ali qui est à l'origine de ce mensonge. A'udhu billah. Et là, Mohamed ibn Shihab dit أنا كذبت والله ما كذبت قط ولو جاز الكذب والله لم أكذب حدثني عروة قال حدثني أبي قال حدثتني عائشة أنه عبد الله بن أبي بن سلول. Qu'est-ce qu'il y a? Il dit quoi? Moi j'ai menti, والله jamais de ma vie j'ai menti. Et que si demain ينادي مناد من السماء أن الكذب صار حلالا ما كذبت. Si jamais demain, il y a une voix qui se fait entendre du ciel, comme quoi aujourd'hui le mensonge il est licite, eh bien je ne mentirai pas pour autant. Urwa il m'a dit, Hisham il m'a dit, que son père, Urwa il lui a dit, que Aïcha il lui a dit, que c'était Abdullah ibn Ubay ibn Salim. Wa lisanu halihi yaqul, qu'est-ce qu'il y a? Yarhamukallah. Voilà. Quand les gens ils ont commencé à dire, qala Rasulullah, qala Rasulullah, à l'époque justement, après les compagnons, les grands savants, ils sont venus à dire aux gens, « Sammoulana rijalakum.
Citez-nous vos hommes. D'où vous ramenez ces hadiths-là? C'est pour ça qu'on a les hadiths al-musnada, des chaînes de transmission. Eux, ils viennent là 1500 ans après, des livres que, sur lesquels toute la Ummah elle est d'accord. Faut que vous compreniez ça. Celui qui vient vous dire le Bukhari, on ne sait pas ce qu'il y a dedans. Tu ne sais pas ce qu'il y a dans toi. لِأَنَّكَ أَضَلْ وَأَجْهَلْ مِنْ حِمَارِ أَهْلِكَ حَيْثُ جِئْتَ تَطْعَمُ فِي كِتَابٍ هُوَ صَحُّ الْكُتُبِ بَعْدَ كِتَابِ اللَّهِ. Toi, tu ne sais pas. Parce que tu es plus bête que l'âne de ta famille. Tu viens, tu remets en cause le livre le plus authentique après le Coran. Tu ne sais pas ce qu'il y a dans Sahih al-Bukhari, tu ne sais pas. Voilà, ce livre-là, c'est quelque chose d'exceptionnel, wallah. Subhanallah, subhana man khalaqa hadha ar-rajul. Al-Bukhari. Il faut lire ce livre-là. هل قرأ هذا الكتاب أحد فيكم حتى يأتي فيقول لا نأخذ بما فيه؟ Est-ce que quelqu'un parmi vous l'a déjà lu ce livre-là? من أوله إلى آخره. Est-ce que quelqu'un parmi vous l'a déjà étudié ce livre-là? والله لا ينقضي عجائبه وهو من صنع بشر فكيف بكتاب رب الناس. Voilà, ce livre-là est exceptionnel. Mais on ne sait pas ce qu'il y a dedans. On ne connaît pas le Bukhari. On ne sait pas c'est quoi. Et il vient, il se met sur YouTube comme ça, il dit quoi non le Bukhari? Non, mais moi je connais le Bukhari, moi. Moi aussi, si je veux, je fais. Base. Et le pire, c'est que ces gens-là, ils sont en public. Ça commence à avoir du succès, cette da'wa. C'est normal. Parce que dans le Coran, ils vont venir te dire, mais dans le Coran, c'est pas écrit qu'il faut mettre le hijab. Dans le Coran, c'est pas écrit que l'alcool est interdit. Dans le Coran, c'est pas écrit si, c'est pas écrit ça. Oui, mais il y a plein de choses qui sont pas écrites dans le Coran aussi. Alors, tu fais le hajj, c'est obligatoire ou pas? Ah oui. Allah, il a dit, وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ عَلَيْهِ سَبِيلًا. Allah dit, الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٍ فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجُّ. C'est obligatoire le hajj, là. Oui, طيب, vas-y, comment tu fais le hajj? Comment on fait le hajj? Tu commences par quoi? Tu finis où? Tu passes par où? Qu'est-ce qui est permis? Qu'est-ce qui est interdit? Tu fais quoi? C'est pas marqué dans le Coran. Comment tu fais? Az-zaka, elle est obligatoire ou pas? Naam. C'est parti des pays d'Islam? Naam. Sur quoi tu payes az-zaka? Et combien? Dans le Coran, Allah nous dit payer la zakat. Il nous dit de donner-la à telle et telle et telle personne. Mais après toi, où c'est marqué dans le Coran, tu dois donner la zakat sur l'or et l'argent? Où c'est marqué sur l'investissement dans le commerce? Où c'est marqué dans les bahimatul an'am? C'est marqué na'am, mais à quel niveau? Comment? Combien? Moi j'ai 50 moutons. C'est quoi la zakat sur 50 moutons? Alhamdulillah. Ou là j'ai 400 chameaux. C'est quoi la zakat sur 400 chameaux? Il y a un nisab pour ça. Il n'est pas dans le Coran. Et qu'est-ce qui annule le jeûne? Le seul acte dans le Coran qui est évoqué, qui annule le jeûne, c'est le rafaf. وحل لكم ليلة الصيام الرافث إلى نسائكم يعني الجماع le rapport sexuel. طيب, c'est la seule chose qui annule le jeûne là? Où est-ce qu'on a les autres actes qui annulent le jeûne? C'est pas dans le Coran. Wallah, et ça montre une chose, ça montre l'ignorance des gens aujourd'hui, l'ignorance des musulmans sur leur religion. Ils ignorent à un point que ni ils savent ce qu'il y a dans le Coran, ni ils savent ce qu'il y a dans la Sunna, ni ils savent ce qu'il y a dans leur religion. Au point où n'importe quel rouaï bida, il arrive et il dit une chose et on croit. Et après, ils sont contents. Ah, tu suis la sunna, toi? Il te dit ce qu'il lui. Voilà, c'est effarant quand même. C'est effarant. Vous savez, ces gens-là, ils existent depuis longtemps. Mais avant, c'était comme des taupes. Ils creusaient des tunnels dans le sol et ils restent dans les ténèbres. Aujourd'hui, ils ont des pupitres et ils sont sous la lumière. Et ils font des formations à des prix défiant toute concurrence. Voilà, c'est l'ajib. C'est l'ajib. C'est pour ça, mes frères. Voilà, هذا الكلام الذي يقوله لكم قد تضحكون من بعضه ولكنه الجد ليس بالهزل. Voilà ce que je suis en train de vous dire. C'est pas. Vous pouvez peut-être en rire parce que j'y mets une petite touche humoristique. Mais voilà, c'est sérieux ce que je vous dis là. Nahnu ala shafa halak. Nous sommes sur les bords d'un précipice. Lorsque la Oumma aujourd'hui, elle se croit plus intelligente que ceux qui les ont précédés. Ouais, mais nous, hna, fahamna, ou qrena, ou ma femme, soualou.
T'as rien compris. Là, wallah, t'as rien compris. Ni t'as compris le Coran, ni t'as compris la sunnah, t'as rien compris du tout. Absolument rien. Faites attention. L'imam Muslim, rahimahullah ta'ala, dans la muqaddimah de son sahih, il rapporte une bonne vingtaine de hadiths qui parlent justement de cette dangerosité qui réside dans le fait de mentir sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam et le fait de croire tout le monde et n'importe qui. L'imam Muslim, il a un livre qui s'appelle At-Tamyiz. Dans ce livre-là, il parle des akhta, al-akhta fi ruwati. Les erreurs des rapporteurs du hadith. Je m'éloigne un peu du sujet, mais c'est important. Et quand tu vois comment ils te décortiquent ces choses-là, je dis, ah Allah, c'est des pros. Ils savent ce qu'ils font. Tu leur fais confiance, les yeux fermés. Parce qu'ils ont réuni toutes les turuq, toutes les voies, toutes les façons dont le hadith il est sorti et par qui il est passé, et ils trouvent l'erreur. Elle est où ? Fait là, tu vois, c'est lui qui s'est trompé. Parce que quand on compare le hadith par rapport aux autres, c'est à partir de sa tabaka à lui que la version échange. Non mais il faut étudier cette chose-là pour comprendre de quoi il s'agit. C'est pour ça qu'il faut faire revivre cette sunna. Il faut lire les hadiths dans les mosquées. Naqra'uha mujarrad qira'a. Ne serait-ce que les lire. Ma tfahamch, ma alish. C'est pas grave, tu comprends pas. على الأقل نستفيد من بركة قراءة كلام النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه. Au minimum, on tirera profit de la bénédiction qu'il y a dans la lecture de la parole du prophète sur ses compagnons et on aura des récompenses chaque fois qu'on dira صلى الله عليه وسلم. وكما قيل أهل الحديث أكثر الناس صلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. Les gens du hadith, ce sont ceux qui prient le plus sur le prophète صلى الله عليه وسلم. Il faut les lire ces livres-là dans les mosquées. يجب أن ننسق دورات نقرأ فيها هذه الكتب ويحضر الناس ونقرأها من أولها إلى آخرها حتى نسمع كلام النبي صلى الله عليه وسلم يتلى على مسامعنا حتى لا يأتي آت فيقول نحن لا نصدق هذه الأقاويل فنرميه بالحجارة أو على الأقل نرميه بأبصارنا أي والله. Il faut que ces choses-là reviennent. C'est dans les mosquées, les maisons d'Allah subhanahu wa ta'ala. On ne lit pas le Coran, on ne lit pas la parole du prophète. On va la lire où? Où est-ce qu'on va la lire? Où? C'est ici qu'il faut les lire, ces paroles-là. Et il faut que tout le monde soit présent. Tu ne comprends pas l'arabe, ce n'est pas grave. Reste. Humul julasa, la yashqa jalisuhum. Reste et écoute. Wallah, tu ne seras pas déçu de la récompense le jour de la résurrection. Et au minimum, quand on entend Qala Rasulullah, tu dis sallallahu alayhi wa sallam. C'est le minimum que tu gagneras à chaque hadith que tu entendras. Le minimum. Et on doit organiser des journées où on ne fait que ça. Et bi-idhnillahi ta'ala, on va le faire. On va le faire dans cette mosquée, bi-idhnillahi ta'ala. On va faire des journées, on va organiser des journées, on va lire les kutub de hadith. Tous, inshallah. Il faut avoir l'ambition. Wa namut ala hada bi-idhnillah. Et on meurt comme ça. حتى يشهد هذا البيت الجليل الكبير القدر أن قرأنا فيه كلام الله وكلام رسوله عليه الصلاة والسلام. Comme ça, cette demeure qui est celle d'Allah Azza wa Jalla témoignera pour nous. والملائكة. Et les anges, comme quoi ici on a lu la parole d'Allah et la parole de son prophète عليه الصلاة والسلام. Et comme ça, quand ces gens-là viendront vous dire, ah non, non, nous ne croyons pas dans les hadiths. Au minimum, on les lapidera du regard. Hein? Mais bien sûr, on reste calme. وَنُلْقِمُهُمْ الْحَجَرِ. Et on ne les écoutera pas. Ils n'auront pas d'impact sur nous. عَلَى كُلِّ حَالٍ. Donc on a parlé d'Ismaïl et des ancêtres du prophète. On n'a pas été Quraysh. حَلْقَ فَوَزَلْ مَزَشِ بَرَكَ. Quraysh. لما تولى قريش يعني سيادة مكة تولى حجابة البيت وسدانتها. Quand Quraysh il est devenu le Sayyid al-Wadi, le plus noble de la Mecque, il a hérité de deux fonctions principales qui revenaient, dont le mérite revenait au plus noble de la Mecque.
الحجاب معروف hein, c'est le voile de la Kaaba. C'était lui qui avait ce sharaf, ce prestige de couvrir la Mecque, la Kaaba pardon, de son voile. Et il y avait As-Sadana. Qu'est-ce que As-Sadana, vous savez? As-Sadana, c'est Hassan. Cheikh, tu vois? Hassan, le miftah. كان بيده المفتاح فكان يفتح الكعبة لمن يشاء متى يشاء السدانة c'est les clés de la Kaaba. On reparlera inshallah plus tard de à qui est revenu ce privilège par la suite jusqu'à aujourd'hui encore. خذوها خالدة تالدة لا ينزعها منكم إلا ظالم. الشاهد il avait ces deux fonctions là. وأضاف إليهما Ukhrayayn. Et Quraysh, il a rajouté à ces deux fonctions-là deux autres. Al-Rifada wa al-Siqaya. Al-Rifada wa al-Siqaya. Al-Siqaya, c'est abreuver les pèlerins. Quand les pèlerins ils venaient, t'as bien le canon. Yaskouna. Ma'azamza? La, akhtat. As-siqaya, c'est abreuver les gens, les pèlerins, qui venaient, qui ne trouvaient pas de quoi boire. Avec quoi est-ce qu'il les abreuvait? L'akh. Il a dit, zamzam, ce n'était pas zamzam. Pourquoi? Parce qu'à ce moment-là, tumisa, atharu zamzam. La fontaine de zamzam, elle a été perdue. Jurhum, qui avait donc fait un accord avec Haja, lorsque Zemzem est apparu, plus tard, ils ont été exilés de Mecca. Ils ont été chassés de Mecca. Et là, intaqam, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont enseveli la fontaine de Zemzem. Wabaladalika, fuqida atharo. Il a été perdu. Pendant plusieurs générations, il n'y avait pas de Zemzem à la Mecque. Il n'y avait pas de Zemzem à la Mecque. Et à l'époque de Quraysh, il n'y avait pas de Zemzem non plus. Donc qu'est-ce qu'il faisait Zemzem? Zemzem. Qu'est-ce qu'il faisait? Qu'est-ce qu'il faisait Quraysh? Il préparait de l'eau. Kana yada'u fiha an-nabid wa at-tamr. Il laissait dans l'eau soit des dattes, soit je dis an-nabid wa at-tamr, wa huma shay'un wahid. At-tamr fa yusbihu al-ma'u nabidan aw yada'u fihi shay'an min al-'asal hatta yakuna hulman. Soit il mettait du miel, soit il mettait dedans des dattes. Et il les laissait prendre dans l'eau jusqu'à ce qu'elles deviennent sucrées. Et il donnait à boire avec cette boisson-là, il la donnait aux pèlerins. Wa al-rifada, donc c'est le fait de les nourrir. Wa al-rifada, huwa at'amu al-hajjij. C'est le fait de nourrir les pèlerins. فكانوا يرون في إطعام وسقاية الحجاج شرفا عظيما. Ils voyaient dans le fait de nourrir et d'abreuver les pèlerins un énorme privilège. Et jusqu'à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, رغم أنهم كانوا على دين آبائهم من الشرك فكانوا يتنازعون هذا الشرف ويكادون يقتتلون عليه. Jusqu'à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il voulait à tout prix avoir ce privilège-là. As-sadana, wal-hijaba, wal-rifada, wal-siqaya. Presque ils se disputaient pour en avoir le privilège. Wa li quraishin manaqib ukhar. Minha annahu huwa alladhi bana dar an-nadwa. Dar an-nadwa alladhi أو التي أصبحت مركزا يجتمع فيها سادات وأشراف وملأ قريش. دار الندوة c'était si vous voulez l'assemblée nationale générale plutôt de Mecca. C'était une maison qui se trouvait au nord de la Kaaba où les nobles de Quraysh, les notables de Quraysh se réunissaient pour justement parler des affaires importantes les concernant. C'est lui qui a bâti cette demeure-là. On l'appelait Darun Nadwa.
دار النبي. وكان قريش لكونه سيد الوادي لا يقطع دونه أمر، فكانوا يتشاورون في أمورهم، وكان القرار الأخير يرجع إليه. Et comme Quraysh était lui le plus noble, eh bien, chaque fois qu'une décision était prise à la Mecque, il se consultait, mais c'est lui qui avait le dernier mot. C'est lui qui avait le dernier mot. طيب, Mata Quraysh, Quraysh il est mort. Et après lui, بعد بعض أبنائه جاء هاشم. Après Quraysh, il a eu d'autres fils, donc on l'avait dit tout à l'heure. Mohamed ibn Abdullah ibn Abdul Muttalib, ibn Hashim ibn Abd Manaf, ibn Kilab, ibn Murra, ibn Ka'b ibn Lu'ay, ibn Ghalib, ibn Fihr, ibn Malik ibn Nadr. Donc, c'est Malik ibn Nadr. Donc, entre lui et Hashim, il y a quand même plusieurs personnes, plusieurs générations. Hashim, هذا لقب كذلك عرف به. واسمه عمرو وكان كذلك سيدا في مكة في زمنه وكذلك كان قد تولى المناصب التي تولاها جده الأكبر هاشم donc le en arrière grand père du prophète sallallahu alayhi wa sallam dont on a la tribu du prophète Banu Hashim eh bien c'était aussi un surnom سمي أو لقب بهاشم لأنه كان يهشم الخبز أو الخبز نعم ويضعه في اللحم فيصبح ثريدا. Son vrai nom c'est Amr, mais on l'appelait Hashim. Pourquoi est-ce qu'on l'appelait ainsi? Parce qu'il effritait le pain, on dit comme ça, effritait le pain? Ou plutôt émiettait le pain, c'est mieux je pense. Il émiettait le pain et il le mélangeait avec la viande. Et il le mangeait pour lui tout seul? لا ماذا كان يصنع في هذا الطعام حسنت يقدمه للحجاج c'était pour les pèlerins donc il préparait ce plat là qu'on appelait al-tharid al-tharid c'était le top gastronomique chez les arabes de l'époque au point où le prophète sallallahu alayhi wa sallam quand il a voulu faire comprendre aux gens la supériorité de Aïcha sur les femmes il a dit wa inna fadla Aïchata ala sa'ir al-nisa كفضل الثريد على سائر الطعام. النبي صلى الله عليه وسلم que la supériorité de Aïcha sur l'ensemble des femmes est comparable à celui du Tharid sur l'ensemble des plats. Donc Hashim, il passait du temps à émietter du pain qui est mélangé avec de la viande pour le proposer aux pèlerins pendant le pèlerinage. Hashim. Sinon il s'appelait Amr. Et lui aussi, كذلك, كان معروفا بالسيادة, il était connu pour sa noblesse, وكان أشرف أهل زمانه, c'était le plus noble des gens de son époque, وغير ذلك. ومن مناقبه التي تميز بها عن غيره أنه أول من سن الرحلتين, رحلة الشتاء والصيف. Et parmi ces caractéristiques par lesquelles il se distingue de ses ancêtres ou bien de ses descendants, c'est que c'est le premier qui a instauré les deux voyages. Le voyage de l'été et le voyage de l'hiver, auquel Allah fait référence au surat Quraysh. Il a fihim rihlat ash-shita wa as-sayf. C'est le premier qui a instauré ces deux voyages-là. Wa mimma jara lahu annahu tafadhal baynama kana fi sayrihi ila ash-sham wa qiya ila yathrib نزل في يثرب فتزوج بابنة أحد رؤساء القبائل هناك وهذه المرأة اسمها سلمة نعم سلمة بنت عمرو من بني عدي ابن نجار تزوجها هاشم هناك ومكث معها دهرا ثم استأنف سيره إلى الشام فأدركته المنية وهو بغزة حررها الله من أيدي العابثين
وترك زوجته حاملا فولدت ولدا سمته شيبة سمته شيبة لشيب كان له في رأسه في شعره رغم صغر سنه ولم يكن أحد أعمامه يعرف بوجوده أو يعلم وجوده بين الناس فبقي بين أخواله 7 سنين وقيل 8 سنين حتى بلغ خبر وجوده أحد أعمامه وهو المطلب فاتجه إلى يثرب وأخذه معه فلما دخل وكان قد أردفه على دابته فلما دخل مكة ورأى الناس هذا الولد وكانت الشمس قد اسودت جلده ظنوه عبده فسموه عبد المطلب فسموه عبد المطلب دونك هاشم il a voyagé comme c'est l'un de ceux qui c'est lui qui a instauré les voyages estivaux et hivernaux que Quraysh faisait donc tous les ans alors qu'il se rendait au Cham il s'arrêtait à Médine Médine qui s'appelait avant Yathrib et lors de son arrêt il s'est marié Mashallah imagine tu pars au Maroc mesalem tu t'arrêtes à je sais pas moi à Madrid tu te maries puis tu repars au Maroc pas mal يا حصل على الزمل j'ai plein de trucs à dire mais je vais les garder pour moi المهم donc il s'est arrêté à Yathrib et il s'est marié avec une des filles des chefs de là-bas donc Salma qui venait de qui est bintou Amr min bani Adi bin Najjar il s'est marié avec une femme là-bas il est resté un peu de temps avec elle puis il a repris son chemin vers Hachem normal Il est mort en Palestine, à Gaza. Donc il n'est jamais revenu. Pas de mail, pas de SMS, pas de Western Union, rien. Et elle était enceinte. Elle était enceinte. Elle a accouché d'un petit garçon qui, malgré son jeune âge, avait quelques mèches blanches dans ses cheveux. Alors ils l'ont appelé Shaiba. Shaiba, parce que Shaib, c'est les cheveux blancs. C'est des cheveux blancs. Ils l'ont appelé Shaiba. Et il est resté 7 à 8 ans à Yathrib, avec ses oncles maternels et sa mère, sans que ses oncles paternels ne savent, ne connaissent, ne sachent qu'il existe. Donc 7 à 8 ans plus tard, après sa naissance, eh bien, ils apprirent que leur frère Hashim, il avait laissé un fils. Alors, un des frères de Hashim, qui s'appelle Al-Muttalib, s'est rendu à Yathrib pour aller chercher leur neveu, le fils de leur frère. Et Shaiba, Al-Walad, il était connu pour sa beauté, il était très beau. Kanawasi man jamila. Il était très très beau. Quand son oncle est venu le chercher et qu'il est revenu avec lui à Mecca, eh bien, il s'accrochait à son oncle comme ça, il était assis derrière lui sur sa monture. Et à cause du long chemin sous le soleil, il a bien bronzé, il a pris le soleil. Et quand ils sont arrivés à Mecca et qu'ils ont vu un petit garçon accroché à Al-Muttalib, ils ont cru que c'était son esclave. Alors ils l'ont appelé Abdul Muttalib. Abdul Muttalib, l'esclave de Al-Muttalib. Alors qu'en fait il s'appelle Shaiba. Il s'appelle Shaiba. Et Abdul Muttalib c'est le... C'est le grand-père du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et Abd al-Muttalib, donc, il arrive à Mecca, il est né à Yathrib, c'est le fils de Hashim, donc, légitimement, il succède à son père. Il succède à son père et devient à son tour Sayyida Ahlil Wadi. Et devient donc le plus noble de Mecca. Wa kana kadhalika معروفا بالمناقب الجميلة لا سيما بالكرم والسخاء. Lui aussi, il avait de nombreuses caractéristiques méritoires, notamment
il était connu pour son joudou, pour sa générosité et son altruisme. Il préparait à manger pour les pauvres, les démunis, même pour les animaux. Même pour les animaux, leur préparait à manger. Au point où on l'a surnommé Al-Fayyab, celui duquel se déverse énormément de choses. D'ailleurs, l'inondation en arabe, on dit le Fayyaban, le Fada, qui veut dire couler à flot. وكان كذلك معروفا بإطعام الناس كما سبق عبد المطلب وهو الذي رأى في المنام أين يقع بئر زمزم فبعدما استيقظ اتجه إلى ذلك الموضع وجعل يحفر حتى نبع زمزم من جديد et c'est lui qui a vu en rêve l'endroit où se trouvait la fontaine de Zamzam. On lui a montré dans son rêve où se trouvait la fontaine. Après s'être réveillé, il s'est rendu à l'endroit en question et il a commencé à creuser jusqu'à ce que la fontaine commence à jaillir. Et c'est à partir de lui que Zamzam a nouveau a coulé à la Mecque. Wa kana Abdul Muttalib tfadlak. Lam yulad lahu ba'd. فكان وحيدا ونازعته قريش زمزم فأقسم لئن آتاه الله تعالى عشرا من البنين فيكبر ويمنعوه من أعدائه ليذبحن لله عز وجل أحدا منهم والله عجيب هذا القسم Donc quand Zamzam a commencé à jaillir, Quraysh a commencé à vouloir lui soutirer cette légitimité dans l'être à la tête. Et Abdul Muttalib, il n'avait pas d'enfant. Il n'avait pas d'enfant. Alors il a juré, il a fait une promesse à Allah Azza wa Jal. Il lui a dit, Allah, si tu me donnes 10 fils qui grandissent et qui pourront me protéger contre mes opposants, je te promets que pour te remercier, je sacrifierai l'un d'entre eux. Wa ta'ala Allah ta'ala 'ashra min al-bani. Et Allah lui a donné 10 fils. 10 fils. Asgharuhum wa ahabbuhum ilayhi Abdullah. Le plus jeune d'entre eux et celui qu'il aimait le plus, Abdullah. Donc quoi, c'est pas forcément le premier qu'il aime le plus. Abdullah. Donc quand il a eu 10 fils et qu'ils ont grandi, وَصَارُوا رِجَالَ ils sont devenus des hommes, كَيْفَ تَمَّ اخْتِيَارُهُ لِأَحَدِهِمْ حَتَّى يُذْبَحْ comment est-ce qu'il a choisi lequel de ces 10-là serait sacrifié? أَقْرَعَ بَيْنَهُ Ah, il a fait ce qu'on appelle la courte paille. La courte paille. Les frères, vous connaissez, je vais vous apprendre un mot, peut-être que vous ne le connaissez pas, c'est الْإِحْتِبَاء où on appelle aussi Al-Hiboua. Al-Hiboua, c'est le nom d'une position quand on s'assit, qui consiste à être assis sur son postérieur, bon, jusque-là c'est normal, et de rabattre ses genoux à l'aide de ses mains, comme certains d'entre vous sont assis actuellement. Il n'y a pas de mal dans le fait de s'asseoir comme ça, si ce n'est pendant le Jumu'ah, il y a un hadith qui déconseille de s'asseoir comme ça parce que ça fait dormir. Mais, autre chose, quand vous voulez vous asseoir comme ça, moi ça ne me dérange pas. Sauf, si vous ne mettez pas de pantalon sous vos camis. D'accord? Donc moi, ça ne m'intéresse pas de voir vos sous-vêtements. Alors si vous voulez bien vous asseoir correctement, de façon à m'épargner cette vue que j'aimerais oublier très rapidement. Déjà, quand c'est des enfants, je leur dis, vous avez remarqué? Je leur dis, je ne pas dire, frère, tu vois, tu vas te sentir gêné. Donc là, je parle généralement. Si l'un d'entre vous, il sait que sous son kamis, il y a des fleurs et des étoiles ou bien des licornes, qu'il fasse en sorte que ça reste sous son kamis.
Qu'est-ce que je disais? Hein? La courte paille, Hassanallah alayk. Al-Qura, la courte paille. Donc il a pris, il faisait ça avec des flèches. Il prenait une flèche et il cassait la pointe. Il mettait dans le carquois, le kinana, on appelle ça en arabe le kinana, et il faisait prendre à chacun d'entre eux une de ces flèches. Et celui qui tirait, la flèche de laquelle la pointe avait été retirée, c'est lui qui était tiré, entre guillemets. En français, on appelle ça le tirage au sort. La main, on laisse le sort tirer. Tire rien, le sort. Le sort, il est voué à sortir. Ça, c'est juste un moyen de choisir, et c'est un moyen qui est chara'i. Al-Qura, c'est quelque chose qui est permis chara'i. Qui est permis عند استواء الحقوق بين الناس. C'est permis lorsque les droits des personnes se valent. أضرب لكم مثلا في الأذان. L'appel à la prière. Dans le hadith de Uqba ibn Amir رضي الله عنه, le prophète صلى الله عليه وسلم donne des conditions pour que la personne fasse l'appel à la prière. C'est pas l'appel à la prière, c'est l'imam. Diriger la prière. Il dit sallallahu alayhi wa sallam, يَأُمُّ الْقَوْمَ أَقْرَأُهُمْ لِكِتَابِ اللَّهِ فَإِنْ كَانُوا فِي الْقِرَاءَةِ سَوَاءً فَأَعْلَمُهُمْ بِالسُّنَّةِ فَإِنْ كَانُوا فِي السُّنَّةِ سَوَاءً فَأَوَّلُهُمْ الْهِجْرَةِ فَإِنْ كَانُوا فِي الْهِجْرَةِ سَوَاءً فَأَكْبَرُهُمْ سِنَّةً. Donc il y a des conditions de priorité. D'abord le Coran, ensuite la Sunna, ensuite la Hijra, enfin l'âge. Taïb, si on a 5 personnes qui sont égaux dans ces 5 points-là, ils sont tous égaux, ils connaissent tous le Coran, la Sunna, ils ont fait la Hijra en même temps et ils ont le même âge. Qui alors on va choisir pour faire l'imam? La courte paille, on fera le Qur'an. Hein. Le prophète, quand il partait en voyage, il prenait une de ses épouses avec lui et pour choisir, il faisait le Qur'an. Donc ça, c'est quelque chose de connu. Dans le Qur'an, il fait référence. Dans le surat Safat, lorsqu'il parle de Yunus alayhi salam, وَإِنَّ يُونُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ إِذْ أَبَقَ إِلَى الْفُلْكِ الْمَشْحُونَ فَسَاهَمَ فَكَانَ مِنَ الْمُضْحَضِينَ. Et certes, Yunus fait partie des envoyés lorsqu'il fuit vers la barque pleine. فَسَاهَمَ. Ahna, déjà, ça c'est un tanbih dans les mosquées. T'as vu ? سَاهِمُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ هَذَا خَطَأ. وَالْأَصَحُ أَنْ يُقَالْ أَسْهِمُوا وَلَا يُقَالْ سَاهِمُوا. لأن المساهمة من الاستهام وليس من الإسهام في شيء فصححوا كلامكم. فساهمة c'est-à-dire qu'ils ont fait justement ça vient de استهام. استهام c'est les flèches. Ils ont fait la courte paille parce que la barque elle était pleine, elle allait chavirer, donc ils ont dû lâcher du lest. Malgré le lest qu'ils ont lâché, la barque était toujours pleine, alors ils devaient choisir quelqu'un pour le jeter par-dessus bord. Et pour choisir quelqu'un, ils ont fait la courte paille. Et qui la paille, c'est qui est-ce qui, on ne dit pas c'est qui est-ce qui a tiré la courte paille? C'est Yunus. فَكَلَ مِنَ الْمُدْحَضِينَ. Et il a été donc jeté par-dessus bord. Donc c'est ça la courte paille. On ne dit pas sahimu. Dans les mosquées, t'entends les gens disent sahimu fi sabilillah. C'est quoi? On sort des pailles et puis on fait quoi? On lui en sort des flèches, qu'est-ce qu'on fait? Là, on dit Eshimu. Et là, demain, au marché, tu vas dire Eshimu, ils vont dire Shigulad. Al-Muhim. Donc, ils ont fait la courte paille, et c'est la paille, la flèche de Abdullah qui est sortie. La flèche de Abdullah qui est sortie. Est-ce que vous croyez qu'Abdul Muttalib, il a dit non, c'est mon fils préféré, on recommence? Non. Wallahi kada yaburru bi qasami. Il allait tenir son engagement. Et là, ses frères, ils sont venus et l'ont dissuadé. Il dit, non, c'est pas ça. فَمَا زَالُوا يُلِحُّونَ عَلَيْهِ وَيُسِرُّونَ حَتَّى قَضَى أَنْ يَنْحَرَ عِوَضًا مِنِ وَلَدِهِ مِئَةً مِنَ الْإِبِلِ. Donc, ils n'ont pas cessé d'essayer de le dissuader de sacrifier son fils jusqu'à ce qu'il finisse par acquiescer et en échange, il a sacrifié 100 chameaux. Il a sacrifié 100 chameaux. Et donc,
C'est comme ça que Abdullah il a échappé au sacrifice. Et là, on revient à ce qu'on disait tout à l'heure, le hadith ibn As-Sakir, Ana ibn Al-Zabihayn. Je suis le fils des deux sacrifiés. En référence à Ismaïl, donc selon l'éventualité où Ismaïl serait le sacrifié, et Abdullah, car les deux ont échappé au sacrifice. Wallahu ta'ala a'lam, wa nu'ajjilu al-haditha ila al-dars al-muqbili, insha'Allah, nu'ajjilu al-haditha ila al-dars al-muqbili, insha'Allah, ta'ala, in qadar Allah lana al-baqa wal-liqa. Donc on reprendra la semaine prochaine avec la naissance du prophète alayhi as-salatu wassalam. Subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa ant, نستغفرك ونتوب إليك وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والحمد لله رب العالمين وبارك الله فيكم.